Salut, salut! Non, je rigole. Bon, alors aujourd'hui, nous allons partir, Tissène et moi. Oh non, on a vu mon gros corps. Nous allons partir, Tissène et moi. Nous avons mis la tenue Mais de. filme, filme le bordel, Oh, filme! c'est bon, on est habitué. On a mis la tenue de sport et je vais aller essayer. Je me suis acheté un petit vélo électrique qui était en promo. Donc je vais aller essayer mon petit vélo électrique. Donc là, c'est une première pour moi. Donc Tissène, elle va me filmer. Si elle arrive, parce que déjà qu'elle tient pas trop debout sur le vélo. Hé Tissène! Donc on va aller essayer le vélo électrique. Voilà. Voilà. On y go. C'est parti. Let's go. Bon, on va essayer le vélo électrique. Mais il faut pédaler. Ben un petit peu, oui. Je vous le jure, je mets ma main à couper qu'elle va faire un accident. Bon, j'attends Chacha et je la rejoins. Hein? Où mon vélo? Là-bas. Vas-y, reviens! Prends le tien, le petit, si tu veux. Bon. Il y a une voiture! Qu'est-ce que tu disais? Une voiture. Ah mais c'est que c'est très bien ce truc. Ouais, c'est bien pour les feignantes comme ouais, toi quoi. Putain, impeccable, je m'habille sportive mais finalement je vais pas faire du sport. Et Chacha. Mais ça c'est mon sac ça. Bon, ben on va faire une petite balade. Ouais, allez, on se retrouve après. On va où? Au fond. C'est tout? Bon, du coup, là, on est arrivé sur une coulée verte. On est tous essoufflés, elle est là. Oh, mais ça va, c'est pas compliqué le vélo, c'est une balade. Bien sûr, là, je suis en balade là, le vélo. Moi, j'ai les cuisses en feu. Il avance tout seul le vélo. Oui, ben oui, on sait, on a vu hier. On se battait pour la fois. On se battait. Battons les gens pour avoir le vélo. Allez, on va filmer. Vous êtes prêts, les amis? Vous êtes prêts? Vas-y, viens. On va faire la course avec Chahine. Vas-y, Chahine. Elle tourne. Non, je vais Bon, allez. Tu peux pas passer, moi. Mon sac! C'est pas grave. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, alors attendez, les amis. Vous êtes prêts? On y va. Je vais essayer de vous filmer. Je me prends pour une vlogueuse d'aventure. Rien du tout. Attendez, on voit mon cul. Maman, on voit mon cul par derrière là. Je donne fin aux oisillons. Attendez, si je me filmais à moi. Maman, si je fais tomber ta caméra, sache que je ne veux pas subir les conséquences de tes coups. Bon, du coup, vous allez rouler avec moi. Mais attendez, attendez, on va se mettre au plus tard. Vous êtes prêts? Ok. Ok. Préparez-vous. Ils sont là-bas au fond. On y va. Non, si j'augmente la vitesse, ça va être compliqué. Voilà. Donc du coup, oula, non, ça va faire du bruit. Tissène dans toute son élégance. Avoir mal, hein. Ils sont là. Je sais pas si vous les voyez. Enfin bref, je vais poser la caméra parce que déjà que je suis fatiguée, en plus il y a une pente. Allez, on se retrouve. Oula! Oula!
Bon, du coup, le jaloux de Shaïn, il me fait prendre celui-là. Voilà. Attendez. Du coup, je me... Ouais, génial. Du coup, je me retrouve avec un BMX. Tu croyais, vous? Je suis du dos. Tu suis pas, je parie. Pas du tout. Tu suis? Ouais, maintenant, tu vas plus suer. Moi, c'est moi qui va transpirer. Je vais ressembler à un bœuf, ma chaîne. Allez, on y va. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas transpiré. Shaïn m'a donné vite fait son vélo, mais bon, ça dure 5 minutes, elle a eu pitié de moi. Regardez ma petite tenue. Trop jolie, mon leggings. J'aime trop. Ah, c'est trop belle. Non, je rigole. Bon, là, je vais rentrer et je vais faire à bouffer. Au pire des cas, je vous filme ce que je fais à bouffer. Ça sera pas quelque chose d'extraordinaire, mais au moins, ça fera du contenu pour la vidéo. Ouf, la coiffure. Non, de Zeus. Ah, je suis esthéticienne. On les voit, les gens fatigués. T'es affiguée? Oui, je suis. Il est où mon téléphone? Est-ce que je m'entends parler? Bon, on va les faire à bouffer. Quelle heure il est? Ça va, 7h30. Oh, ça va. Ouais, c'est bon. On a 2h. 45 minutes. Ouais, bon, allez. On va les faire à bouffer. Ça fera du contenu pour le vlog. Et Shaïn a défait tout son lit, évidemment. Petit OOTG du jour. Donc, j'ai mis un petit haut jasmine que j'ai acheté chez Undies. Avec un petit leggings Adidas, voilà, que j'ai acheté sur un site internet. Là, je vais légèrement fermer ça. Regardez, j'ai bronzé aujourd'hui, ça se voit. Hein. Dites-moi que ça se voit, parce que sinon, ça va être triste. Regardez. Ouais. 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 Bref. Regardez, elle m'a dit épiler les crevettes. Épluche. Ça va, Tissel? Moi, ça je va? Pèle les crevettes et toi, tu me filmes. Moi, ça va très bien et toi? Là, il faut que j'épelle les... Je vais faire un risotto. Crevettes, les coco curry. Merci, ça t'intéresse pas quoi. Je suis allergique aux crevettes. Allergique aux crevettes, mais pourtant elle est bouffe. Tu peux dégager en plus. Je rêve, t'as éternué tout à l'heure. Oui, mais je me suis lavé les mains parce que j'avais les mains toutes pleines de, sang, de sueur. Je te jure, quand je suis arrivée, j'ai assumé dehors. Hein. Elles ont le goût à. À la mer. À la schneck. La tienne alors. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. Laissez-la éplucher ses crevettes. On va préparer des fondants au coulant de chocolat. Non. Des fondants de chocolat avec le cœur coulant. Donc, du coup, on va le faire avec le Cake Factory de ma mère. Et du coup, il va nous falloir 3 œufs, 104. Notez. 3 œufs. Ouais, notez. Vous pouvez les faire au four aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire avec. Si vous avez le Cake Factory, c'est l'idéal. Voilà. Vous pouvez le faire au four. Donc, il vous faudra. Attendez, je prépare les ingrédients et après je vous dis. Vous allez avoir besoin d'œufs, de chocolat noir, de chocolat blanc. Donc, le chocolat blanc, c'est facultatif, mais vous verrez pourquoi. De farine, de sucre, de beurre, d'un saladier, d'une balance, d'un moule, d'un fouet, d'un bol. Voilà. Donc, du coup, vous allez tout d'abord. Comment on fait ? Faire fondre le beurre et le chocolat à l'aide du programme de... Non. On va juste faire fondre le beurre et le chocolat. Donc, vous allez avoir besoin de 180 g de chocolat noir et 150 g de beurre. Vous avez vos 150 g de beurre. Vous venez ajouter vos 180 g de chocolat noir. Oula, si je remets pas à zéro, on va pas aller loin. Allez. Donc, 180 g de chocolat noir. Oula, on est loin. Attendez, j'ouvre l'autre chocolat et je vous reprends. Donc du coup, une fois que vous avez votre mélange, vous le mettez au micro-ondes jusqu'à ce que ça fonde. Je suis en train de manger du chocolat noir. Je fais pas le ramadan parce que problème de fille. Et vous le mettez... Voilà, je me perds. Vous le mettez au micro-ondes et vous le faites pas cramer surtout, parce que ça m'est déjà arrivé. Et c'est not very good. Là, maintenant que votre mélange est en train de cuire au micro-ondes, vous allez venir mélanger votre farine, votre sucre et vos œufs dans un saladier. Donc il va vous falloir 45 g de farine. Donc du coup il m'en reste un petit peu dans le bol. Donc 45 g de farine. Là, j'ai le micro-ondes qui bip. Voilà. Parfait. Donc, du coup, 45 g
de farine. Quoi? Ouais, ben c'est moi qui emporche. Oh, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et une fois que vous avez mis votre farine dans votre bol, bon, j'en ai mis un peu trop, je vais en enlever parce qu'on sait jamais. Si je foire la recette, ma mère va me tuer. Oula, le gaspillage. Et du coup, vous ajoutez votre sucre. Donc, dans votre mélange, il vous faudra 75 g de sucre. Et pas un de plus. Ah, j'en ai mis 81. Et ensuite, vous mettez vos 3 œufs. Maman, puisque t'es là, tu peux regarder mon truc au micro-ondes. Il y a des trucs partout. Où? Il est cuit en fait. Hein. Il est cuit, ça a bipé quoi. T'as mis quelque chose dessus? Non, pas du tout, mais j'ai mis que 30 secondes. Enfin, 20 secondes. Non, non, c'est pas du tout cuit. Normal, j'ai mis que 20 secondes. Et il faut mettre quelque chose dessus parce que tu vas vous pourrir du foin. Salut, vous avez vu, j'ai trouvé quelqu'un pour faire mes vlogs de temps en temps. Voilà. Dans le saladier, vous venez touiller. Donc, et moi je vais aspirer le persil. Vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous touillez. On touille, on touille. On touille, on touille, on touille énergiquement. Regardez pas mes vilains ongles, j'avais des faux ongles et ils sont tout abîmés maintenant. Je dirais les ongles de Notre-Dame de Paris là. Non, notre bossu de Notre-Dame. Je repasse. Quoi? J'avais le nichon à l'air presque. Donc du coup, une fois votre... Je sais pas si tout a été filmé, mais si tout a pas été filmé, ma mère elle vous remettra la recette. Hein. Donc du coup, là, vous mettez... Oh, quand même. J'espère. J'espère aussi. Tiens. Donne-moi une touille là pour enlever ça. C'est pas une touille. Oui, une raclette. Une spatule. Voilà, on vous incorporez. C'est bien, t'es un bon commis de cuisine, Tissène. Oui, c'est ça, tu vas prendre le bol chaud, toi. Surtout. Qui c'est qui va licher le bol après? C'est toi, c'est pas moi. Moi, je vais licher l'autre bol. Tiens. Quel? C'est là-bas, à laver. Alors, voilà. Ça. Non. Et là, encore une fois, vous venez touiller. Doucement, pas en foutre partout. C'est plus un gâteau au chocolat, c'est un gâteau au beurre tellement qu'il y a du beurre. Regardez-moi ça. Ah oui, j'en fous partout. C'est ça qui fait le coulant. Ah. Et ma main pleine de beurre, ça fait le coulant. Regardez-moi comment c'est beau. Ah, je viens de me casser le doigt avec la spatule. Je viens de me péter le doigt. Donc une fois que vous avez bien remué votre mélange, vous allez venir prendre une cuillère. Comme d'hab. Voilà, et là vous mettez combien de cuillères environ par truc? Oh, je déteste en mettre à côté. Moi aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, vous en mettez. Ah oui, moi pendant ce temps-là, je vais faire ma petite salade de tomates. Pardon. C'est l'appétit qui remonte. Qui veut de la salade de concombre et de tomates, les enfants? Moi. Pour savoir combien je pèle de tomates. Moi j'en veux. C'est qui ça? Je sais pas, mais tout à l'heure ça a fait exactement pareil. C'est où? Je crois que c'est Chahine. Écoutez comment elle est aimée, cette femme. Donc du coup, la touche finale du chef, c'est que pour que vos fondants soient plus fondants et plus appétissants, vous allez y insérer un morceau de chocolat blanc au milieu. Voilà. Et on vous montrera le résultat après. C'est trop bon. Et pour que ce soit bien uniforme, vous faites ça. Vous voyez comme ça, le chocolat à l'intérieur, il disparaît comme. Et ça, vous allez le mettre au four, enfourné, pendant 1h30 pas du à 192 degrés. Pas du tout. Pendant combien de temps? 10 minutes, non? 15 ouais, minutes. Ouais, 15 minutes à peine. Une quinzaine de minutes au Cake Factory avec... Bien fondant, voilà. Bien coulant. Et si vous avez un four, et bien vous les mettez environ ouais. Et... Ouais, 10-15 minutes. Ouais. Ça dépend la puissance, ouais. 180 degrés environ. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour voir le résultat de mes magnifiques chocolats maison. Ouais, je vais vous montrer mon risotto. Bisous. Bon, du coup, je vous montre ce qu'on mange. Alors, on a mis les patates, la salade, des morceaux de pizza d'hier, hein, on va pas jeter. Il y en a d'autres là-bas, il faut les faire cuire. Les bulots. Les œufs, le fromage, du lait végétal et loup, le lait.
Je ne l'ai pas sorti. Si, enfin. Il y aura du fromage. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Voilà. La principale, ça sera du risotto aux crevettes, du lait de coco, curry. Les petits fondants au chocolat. Et voilà, moi, je n'ai pas fait de soupe parce que j'ai pas eu le temps. Et Chahine, il va manger ses brocolis. Voilà, voilà, voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Là, j'ai fait cuire le pain. Je fais cuire le pain, je vais le sortir. Bon, il est que 9h. Il mange à 21h30. Donc, ouais, on va voir. Ça crie comme des putois là-bas. Bon, regardez ce que j'ai fait dans mon compagnon. Risotto. Regardez le fromage, comment il est. Oh là là, le fromage. C'est trop bon, j'ai goûté. C'est trop bon. C'est trop bon. Tu mets pas plus de crevettes que nous? Bien sûr que si. Je vais le dire à papa, comme ça il va le prendre. Ouais, il y en a assez. D'ailleurs, je vous raconte pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, je peux pas vous l'éclater, mais je sais qu'à l'intérieur il est coulant. Tiens, elle va ramener la crème anglaise et on va les mettre dans le plat. Ouais, il est moche. T'es pas moche, toi? Regardez ce qu'elle m'a fait faire. Elle m'a fait défaire un gâteau pourri. Allez, Tiziane, mets-nous la crème anglaise. Celui-là, c'est le tien. Hein. Autour? Non, tu le mets par-dessus, toi? Bah ouais. Faut que tu le coupes en deux aussi pendant la vidéo. Tu viens de péter, là? Non, pas du tout. C'est la fenêtre qui a grincé. T'as pété? Non. Oh. Tu es malade, toi, non? Je pète pas quand je fais à manger ou quand je regarde. Après, c'est raté. Ça se voit que t'as pété parce que t'as dit non, c'est la fenêtre qui a... Oui, c'est la fenêtre. Parce que c'est la fenêtre. Casse-moi l'appareil photo. Va chercher une cuillère pour déguster le tien. Pour ouvrir le tien. C'est le mien, ça. C'est... Lui, c'est le mien. Comme ça, t'es obligé de me le donner. Putain. Ah ouais. Attendez. Regardez. Je lèche mon doigt et je touche son gâteau. Voilà. Il va bouffer. Qu'est-ce que ça dit en mon absence? Allez, vas-y, Yves. Coupe, hein. Non, on coupe le tien. Non, tu coupes non, le tien. S'il te plaît. Vas-y, c'est toi qui vas le manger en premier. Oh, si gros, belle, regarde le chocolat blanc. Oh là, bon là, je suis obligée de vous laisser, je vais manger mon gâteau. Bon appétit, Tiziane. Ça, c'est le mien. Oui, c'est le tien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on a bien mangé le fondant au chocolat. Je suis toute rouge là, je me suis gratté les nibards. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui à Brochet. Ouais, donc Tiziane m'a saoulée pour acheter ça. La brume qui sent la vanille. Et c'est vrai que... Attendez, je vais la mettre un petit peu. Oh, ça sent quand j'étais jeune. J'avais la même quand j'étais jeune. Et ensuite, j'ai pris l'huile sèche au monoï. J'adore. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc là, je vais me démaquiller. Et puis le vlog, il va se terminer ici parce qu'il va pas falloir que je vous fasse peur. À chaque fois que je me démaquille, je suis rouge. Il va pas falloir que je vous fasse peur en me démaquillant. Donc, je pense qu'on va se laisser là. Oh là là, je suis toute rouge. Mais je suis pas si rouge pourtant dans la caméra. Non. Oh, on dirait que j'ai des poils. Bon, et voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.